métier, en fait, on apporte du bien-être aux patients, mais au niveau entretien. Ça veut dire, pour le patient, il y a les soins, mais à côté, c'est vrai que c'est plus agréable pour lui de retrouver une chambre propre, nettoyée. Et c'est vrai qu'on a un lien avec les patients différents des soignants, vu que nous, on n'est pas dans le soin. Donc, ils nous parlent plus facilement de choses autres que le soin, justement. Les qualités requises pour faire ce métier, en fait, c'est déjà être à l'écoute du patient, des supérieurs, aimer travailler en équipe, parce qu'on ne travaille pas seul, en fait. On a une équipe d'ASH, il y a une équipe d'aides-soignants, une équipe d'infirmiers, il y a les médecins, il y a les cadres, donc on est vraiment une grosse équipe. Et puis après, aimer l'entretien aussi, enfin aimer que ça soit propre. Ce métier, rien du tout. En fait, à la base, j'étais chef cuisinier. Je suis parti 18 mois à l'armée, en fait, et puis au bout de 7 ans, j'en avais marre, donc j'ai voulu changer. Et en fait, j'ai écrit par hasard à l'hôpital. Et en fait, j'ai écrit le lundi, le mardi, j'avais mon rendez-vous, et j'embauchais la semaine qui suivait. Et puis en fait, je connaissais pas du tout le métier, vraiment, et j'ai appris vraiment sur le tas, et ça m'a plu. J'ai envie de rester là, en fait. On a une patiente à un temps qui ne parlait pas, qui bougeait pas du tout. Et elle est revenue nous voir au bout de 6 mois et elle marchait bien, elle parlait normalement. Et là, ça fait 1 an et on a appris qu'elle avait un appartement, elle a appris à conduire, enfin, et voilà. Rien que ça, ça donne envie de rester, en fait. Après, les inconvénients, personnellement, j'en vois pas. Enfin voilà, quand on aime le métier, pour moi il n'y a pas d'inconvénient, et j'aime mon métier.